Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition des 20 Minutes Masterclass, série de webinaires organisés en partenariat avec l'ANDRA Junior et SAP SuccessFactors. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphane Hugon. Alors juste quelques petits détails techniques. Nous allons donc procéder à une présentation d'une vingtaine de minutes. Et nous vous invitons à soumettre vos questions au cours de la conférence via la chat box que vous avez à votre écran. Nous noterons ces questions et nous y répondrons à l'issue de la présentation de Stéphane. Donc Stéphane, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement. Donc vous êtes docteur en sociologie, chercheur et enseignant au CEAQ, c'est-à-dire le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Et vous êtes aussi cofondateur et dirigeant de la société Eranos, l'Institut Eranos, qui est spécialisé dans la prospective des imaginaires de consommation et des nouveaux comportements sociaux. Votre travail porte sur l'étude des nouvelles formes de socialité dans les espaces et les environnements technologiques, et particulièrement sur les dynamiques d'appropriation des services numériques. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'entreprise. Vous allez nous expliquer pourquoi, en raison des mutations sociétales, qui sont en partie générés par l'apparition de nouveaux outils tels que Facebook, Twitter, j'en passe, et des meilleurs. Pourquoi ces nouveaux outils ont modifié donc le comportement et le mode de fonctionnement au sein des entreprises. Donc je vous passe la parole pour discuter sur ce thème donc de l'innovation et de l'entreprise. Merci Thierry, bonjour à tous, très content de participer à ce premier 20 Minutes Masterclass qui donc va porter sur ce thème, ce très beau titre, reconnecter l'entreprise avec elle-même. En deux mots, moi je vais essayer de proposer quelques clés de lecture sur l'idée que les transformations sociétales rencontrent l'entreprise. Voilà, et globalement, plus que jamais, l'entreprise est en porosité avec le monde dans lequel elle vit. Voilà. Depuis assez récemment, on considère que la vraie vie, la vie de l'entreprise et toutes les autres scènes sociales sont de plus en plus imbriquées les unes avec les autres. Voilà. Ce qui fait que l'entreprise doit maintenant affronter des choses qui sont de l'ordre de mutations sociales, mutations sociétales, c'est-à-dire qui sont de l'ordre parfois de la culture de la pop culture, de la culture populaire, de tout ce qui n'appartient pas directement à l'entreprise. Et du coup, l'entreprise doit, disons, accueillir ces transformations-là, accueillir ces cycles, accueillir ces transformations du lien social. Voilà. Et en deux mots, l'idée, ce serait d'identifier des grandes tendances, des grands cycles comme ça, des grands drivers, que l'entreprise doit apprendre à détecter, à contrôler et éventuellement à maîtriser pour en tirer, disons, un certain bénéfice. La première chose que je voudrais évoquer, c'est une question qui a un rapport à ce glissement d'une autorité qui pendant très longtemps a été la marque de l'autorité, de la culture managériale qui était la nôtre depuis, je dirais, presque un siècle et demi, là on est sur des cycles longs, et qui, en l'espace de très peu de temps, les sociologues disent qu'il y a accélération de l'histoire, se serait transformée et donnerait lieu à des formes de lien social, des formes d'autorité, de confiance, qu'on voit en particulier avec la techno, avec le digital, qui a été révélé, je dirais, par le digital, et qui est cette fameuse histoire de l'horizontalité. Voilà. Donc globalement, à quoi voit-on ça? Peut-être des phénomènes qui apparaissent directement dans l'entreprise et qui sont une certaine crise de l'autorité. Alors, ce n'est pas seulement une crise. Vous savez, dans crise, il y a l'idée de la révélation. La crise, ce n'est pas forcément la disparition. Crisis, ça veut dire jugement. Hein. Donc, ça veut dire que l'idée qu'il y a une dimension de transformation forte de l'autorité. On le voit à l'extérieur de l'entreprise aussi. Tous ceux qui ont le pouvoir de dire, tous ceux qui ont le pouvoir de produire de la loi, tous ceux qui ont une expertise particulière, depuis une dizaine d'années, sont systématiquement challengés.
à l'extérieur de l'entreprise. Pensons aux journalistes, pensons aux juges, pensons aux élus, pensons aux présidents, pensons à tous ceux qui ont la charge de devoir organiser, de devoir encadrer, de devoir réguler, qui aujourd'hui sont systématiquement soit challengés, soit mis à partie, soit parfois même tournés en dérision. Alors ça, c'est une manifestation qui est plutôt quelque chose qui s'inscrit dans le long terme et qui va avoir un impact réel sur les cultures managériales, sur la circulation du pouvoir et de l'information à l'intérieur même de l'entreprise. Alors, à partir du moment où effectivement l'autorité des encadrants se modifie par rapport aux collaborateurs, de même on pourrait dire à partir du moment où une marque n'a plus la même prise ou emprise sur le consommateur, de même qu'à l'extérieur de l'entreprise, l'élu, le chef, tous ceux qui ont la position patriarcale n'ont plus le même pouvoir, la même influence sur les citoyens, les étudiants, les consommateurs, etc., etc., tous ceux qui sont les acteurs finalement de la vie sociale, mais ça veut dire que ça change les dynamiques d'autorité. La conséquence immédiate de cette première tendance, à l'intérieur de l'entreprise, c'est le retour de ce vieux thème qui avait un peu disparu depuis au moins deux générations, qui est le thème de l'usage. On le voit partout maintenant, hein, c'est devenu presque un thème un peu incantatoire. L'ensemble des offres techniques, l'ensemble des cultures managériales, l'ensemble des projets de transformation de l'entreprise ont compris que désormais, on ne ferait rien sans la détection réelle de la pratique du consommateur ou du collaborateur. Donc d'un seul coup, on s'est rendu compte de l'importance de mieux saisir, voire de cartographier l'usage réel que le collaborateur, par exemple, va faire de ce qu'on lui propose en termes d'outils, par exemple. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez nouveau, finalement, dans le déploiement des outils d'entreprise, par exemple. C'est que jusqu'à présent, l'ingénieur savait exactement ce qu'il voulait faire en proposant un outil à des utilisateurs. D'une certaine manière, il pensait à sa place, il pensait pour lui. Et désormais, l'utilisateur, pour plein de raisons, notamment pour la raison de ce doute sur l'autorité du créateur que j'ai évoqué jusqu'à présent, et bien désormais, l'utilisateur va s'approprier l'outil et va projeter sur cet outil son propre imaginaire. Du coup, on rentre dans une espèce de boucle entre l'outil et l'usage, entre le concepteur et l'utilisateur, qui est une espèce de boucle de rétroaction. Et ça, c'est assez nouveau finalement dans nos pratiques, puisque ça oblige de la part de l'encadrant, de la part de l'ingénieur, de la part du créateur et de la part de celui qui produit un outil, une méthodologie, ça va l'obliger à une forme de lâcher prise. Ce lâcher prise n'est pas facile pour nous, je dirais, dans notre culture business, dans la culture, la culture un peu occidentale qui est finalement une culture un peu activiste, comme ça. Qui est une culture de l'expert, qui est une culture de l'ingénieur, qui est une culture du père, finalement. Et du coup, l'idée de donner la place, d'être dans ce lâcher-prise, et de donner de la place à l'utilisateur, de voir comment les usages révèlent parfois une réalité ou une valeur cachée de l'outil, ça c'est quelque chose qui est pas facile d'abord à concevoir et ensuite à mettre en œuvre. Donc toutes les problématiques d'entreprise qui ont un lien avec la question de l'adoption, de l'engagement, de l'appropriation, de l'acceptabilité sociale, que ce soit d'un outil ou d'un projet, sont justement au cœur de cette question-là. On connaît aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une entreprise, une grande banque française, pour laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, et qui avait décidé d'un plan de transformation de l'entreprise. Ce plan de transformation de l'entreprise, il était probablement le meilleur plan que la direction pouvait produire pour le bien de l'entreprise. Et pourtant, il y a eu une sorte de décalage. C'est-à-dire que finalement, tous les collaborateurs qui devaient mettre en œuvre ce plan-là ne l'avaient pas bien compris. Ce plan était un petit peu décalé par rapport à leur propre culture. Non pas que ce soit un mauvais plan, mais que pour des questions de recevabilité, de compréhension, il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé. Et du coup, dans ces cas-là, classiquement, la direction hausse le ton et tape un peu du poing sur la table en disant « voilà, il y a un planning, il faut passer à l'acte maintenant ». Et du coup, le risque de cette situation, c'est le risque incantatoire.
Le risque de l'incantation, c'est le « il faudrait que ». Le « il faudrait que », c'est souvent l'expression d'un projet qui a été décidé un peu in vitro et qui n'a pas pris assez en considération la nature de ses collaborateurs, pour le meilleur et pour le pire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elles étaient à la fois les zones de résistance et les zones d'opportunité qui étaient secrètement, si je puis dire, tendues dans le public des collaborateurs ou des usagers. Donc voilà, on a cette idée-là qu'il y a une boucle de rétroaction entre l'outil et l'usage. Plus aucun outil n'aura de valeur s'il se passe de la question de l'usage. Et ça marche également à la fois pour les collaborateurs, mais aussi à l'extérieur pour les clients. Ce que fait mon client de mon service, c'est mon service, y compris si mon client détourne mon service. Donc ça donne un système qui doit être... D'abord, il faut le prendre en considération. Il y a à la fois énormément de valeurs potentielles qui peuvent s'exprimer, il y a des risques aussi. En tout cas, ce monitoring est désormais important. Faire de la place à son collaborateur, faire de la place à ses clients. Donc, les entreprises sont donc confrontées à ce phénomène de déplacement de l'expertise, hein, puisque c'est plus seulement dans le domaine IT, par exemple, seulement le DSI qui va avoir, la meilleure solution ou le meilleur diagnostic ou la meilleure recommandation pour déployer, par exemple, un outil. Il va devoir prendre en considération la réalité des usages de l'utilisateur. Pourquoi ? Tout simplement pour la question du time to market. Je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais prenez le concours Lépine. Le concours Lépine, ce sont des très bons objets, technologiquement qui sont assez avancés pour la plupart, avec des modèles économiques qui devraient fonctionner, mais qui malheureusement pour la plupart ne rencontrent pas leurs utilisateurs, pour des questions presque d'interculturalité. Donc c'est en prenant en considération très largement la question de l'usage qu'on va pouvoir, en donnant de la place très justement à l'utilisateur, et donc parfois au détournement d'usage, ce qu'on appelle l'innovation ascendante, qu'on va pouvoir véritablement générer ce que j'ai appelé le time to market, c'est-à-dire le temps de résilience entre le changement, par exemple, d'une version d'un logiciel, par exemple, le temps qu'il faut pour que l'utilisateur ait compris quel est l'usage qui va être vertueux pour l'entreprise. Et ça, c'est pas seulement une relation pédagogique, c'est-à-dire une relation de formation, tout simplement parce qu'on n'aura jamais assez de temps, de personnes ni d'argent pour former chacun des utilisateurs pour arriver à un niveau important d'usage, dans le potentiel d'usage d'un outil. L'idée, c'est donc de savoir quelles sont les cultures d'usage des utilisateurs qui vont nous permettre de leur proposer des choses qui sont au plus proche de leurs usages, de telle manière à réduire le temps de l'appropriation et d'augmenter le phénomène de l'innovation. Voilà, donc on est dans une logique qui est une logique, une logique bottom-up qui existe sur d'autres secteurs, qui est particulièrement visible dans un contexte où, je l'ai dit, la notion d'autorité se transforme. On l'a souvent abordé en termes d'intergénération, hein, vous savez, les fameux, alors ils ont plein de noms, hein, les Y, les Millennials, les CC, etc., etc. C'est un peu ça, finalement, dont on parle. Moi, je pense qu'il s'agit pas seulement d'une génération, mais d'un cycle qui est probablement beaucoup plus long, et qui désormais fait de l'appropriation, voire du détournement d'usage, une dynamique absolument vertueuse pour l'entreprise qui doit être accueillie en tant que telle. Voilà. Alors, ça veut dire que, d'une certaine manière, il est urgent de ne rien faire. Paradoxalement, il est urgent, avant de déployer un outil, juste avant cette phase de déploiement de l'outil ou de proposition de l'offre technique ou l'offre managériale, il est très important d'abord d'observer. Vous savez, observer et se taire, c'est habituellement le métier des sociologues. Habituellement, le métier, c'est de rien dire. Et c'est vrai qu'à côté un peu arachnéide, si je puis dire, on est l'araignée dans le coin de la pièce qui va observer, qui va cartographier quelles sont les pratiques réelles des utilisateurs. Et du coup, sur un plan de la méthodologie, il est important de connaître précisément quelles sont les pratiques réelles, quelles sont les pratiques des personnes, quels sont les parcours des personnes, de telle manière à bien les connaître,
de telle manière à ce que quand on va déployer un projet, que ce soit un projet de transformation de l'entreprise ou un projet technique, etc., de pouvoir séquencer ce projet, non pas en fonction du projet lui-même, mais en fonction de l'acceptabilité sociale du projet et donc de la connaissance des personnes qui vont mettre en œuvre le projet. Donc là, il y a une dimension qui est plus seulement une dimension de pédagogie, c'est-à-dire pousser les personnes pour qu'elles aillent dans le sens dans lequel on veut qu'elles aillent, mais c'est plutôt co-construire avec elles, d'une certaine manière, les solutions qui seront les plus vertueuses. Alors, ça c'est important de bien comprendre que, quand je parlais du lâcher-prise, cette première phase consiste à bien maîtriser et bien connaître, c'est l'idée de l'écoute active, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec beaucoup de reporting, de rétroaction, il y a une certaine agilité à avoir dans l'écoute de ces publics, qui va permettre ensuite, sur les temps d'appropriation des technologies ou des méthodes, d'être beaucoup plus court. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'encadrant ou que le dirigeant va lâcher prise totalement, mais en lâchant prise un petit peu au départ, il va permettre d'être beaucoup plus en phase et beaucoup plus en connivence avec les personnes qui ont en charge de mettre à l'épreuve le projet et de le faire exister. Je le redis, c'est peut-être une phrase pour terminer, ce que le collaborateur fait de notre projet, c'est notre projet. Ce que le client fait de notre produit, c'est notre produit. Donc il y a cette idée-là, il y a une espèce de paradoxe paradoxe de l'écoute, en fait, qui est émergent, c'est pas tout à fait récent, on le voit de manière beaucoup plus visible aujourd'hui, mais c'est des méthodes qui existaient déjà depuis quelques temps. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une masse critique qui est atteinte, qui fait que les entreprises auront tôt ou tard besoin de s'inscrire à cette dynamique-là. Voilà, si je devais résumer en deux mots, le monde change, les relations sociétales génèrent une transformation dans l'expertise. Pour récupérer cette énergie ascendante, il faut être à l'écoute de nos collaborateurs, à l'écoute de nos clients, les cartographier pour faire avec eux. Vous savez, il y a toujours cette phrase qui a beaucoup circulé à un moment donné sur Internet, c'était passer du fait pour eux au fait avec eux. Parce que quand on fait pour quelqu'un, il y a toujours, vous savez, le risque du harcèlement du bien. C'est-à-dire penser à la place des autres, y compris si on pense le bien, c'est toujours prendre le risque que notre solution ne soit pas acceptée par ceux qui très justement doivent la mettre en œuvre. Voilà pour ces quelques mots de sociologie appliquée. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage d'un point de vue sociologique des mutations et l'usage des nouveaux outils. N'oubliez pas que vous avez donc la possibilité de poser des questions à Stéphane par l'intermédiaire de la chatbox qui vous permet de formuler vos questions par écrit. On en a déjà quelques-unes donc, que je vais poser à Stéphane. La première question est la suivante. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de mode ou d'un cycle profond ? Oui, alors c'est effectivement, on doit se poser cette question, parce qu'on pourrait dire, à partir du moment où on considère que ces formes d'innovation ascendante, par exemple, sont souvent associées à la question de la jeunesse, on peut dire qu'il y a toujours eu des jeunes. Il y a toujours eu des jeunes qui déstabilisaient un petit peu nos cultures managériales, et finalement c'est très bien. Donc on pourrait dire que ça a toujours existé. Je crois qu'il y a aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, un phénomène d'accélération de l'histoire. Ma conviction est que nous quittons un cycle long sur lequel la culture patriarcale a été très forte et très vertueuse, et qu'aujourd'hui, là encore sur un cycle long, on risque d'avoir des cultures qu'on pourrait appeler, je sais pas, fratriarcales ou d'horizontalité, ou qui est, vous savez, le chiffre secret de l'ensemble, la méthode secrète de tout web social, l'idée de l'horizontalité, du faire ensemble, du 2.0, du wiki et bien d'autres. Je pense qu'on rentre dans un cycle très long. Pourquoi ? Parce qu'on le voit sur d'autres secteurs. C'est pas seulement un phénomène technologique. C'est aussi un rapport à l'autorité. Pensons au, je l'ai évoqué tout à l'heure, le médecin, le maître d'école, le père de famille, etc. L'ensemble de ces statuts sont challengés par des formes d'horizontalité. Et bien sûr, la techno, j'allais dire, est complice. Prenez le cas du médecin. Un médecin, la plupart des médecins voient arriver désormais dans leur cabinet des
personnes qui disent, ben voilà, j'ai analysé mes symptômes, je pense avoir repéré mes symptômes, je pense avoir fait mon propre diagnostic, je pense avoir identifié la molécule dont j'ai besoin, voilà, signé ici. Ça, c'est assez déstabilisant pour les médecins, sachant qu'en plus, la figure sociale du médecin, qui est le notable, celui qui sait, la figure patriarcale, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez déstabilisant. On le voit dans les médias aussi. Les médias, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des sources. Les journalistes avaient le monopole, si je puis dire, de la source de l'information. Aujourd'hui, tout le monde est capable de tweeter, tout le monde est capable de produire une image, tout le monde est capable d'émettre une opinion sur un blog. Donc ça déplace, alors heureusement ça fait disparaître ni le médecin, ni le journaliste, mais ça les oblige à accompagner plutôt et à organiser les productions du public plutôt que les décréter. Voilà. Donc ça oblige d'avoir une position un peu de coaching finalement, d'accompagnateur. Et ça, c'est une posture qui, à mon avis, s'inscrit dans la durée et va probablement être quelque chose qui va résonner dans bon nombre d'activités et bon nombre de secteurs. Et justement, pour rebondir sur ce point-là, est-ce qu'il y a une méthodologie, on parle de structuration de l'information, de coaching, est-ce qu'on apprend sur le champ? Ou est-ce qu'il y a des méthodologies, des concepts à mettre en place pour accompagner donc cette mutation et ces changements de pratiques? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est plus vrai. Il ne faut pas oublier que toute notre culture managériale est largement teintée des méthodes qui étaient des méthodes issues de l'industrie. Il ne faut pas oublier que l'industrie elle-même, en tout cas particulièrement en France, a été structurée notamment sur le modèle de l'école polytechnique qui est avant tout une école militaire. Voilà. Donc quand on fait la généalogie des cultures managériales, on s'aperçoit que la figure du chef et la décision verticale et la pyramide descendante, c'est de toute manière une structure très forte et en particulier dans le modèle à la française. À côté de ça, il y a des secteurs où il y a même des histoires d'entreprises qui ont donné de la place et des choses beaucoup plus horizontales, par culture, parfois par influence du dirigeant, parfois tout simplement par l'industrie dans laquelle ils étaient situés. On sait forcément que dans l'IT et dans le modèle web, bien sûr que ça c'est une culture qui affleure depuis longtemps. Ça n'empêche qu'il peut y avoir des outils, des méthodes, des choses qui permettent d'expérimenter le passage du vertical à l'horizontal. Prenons par exemple une entreprise que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et qui, pour des réunions, managériales, qui rassemblaient à la fois un encadrant et une quinzaine de collaborateurs, c'était une entreprise dans le domaine qui a des hélicoptères, et dans laquelle la figure de l'ingénieur est une figure qui est un peu, qui a un certain statut et qui pouvait être parfois écrasante pour les autres collaborateurs, je pense aux techniciens. Et du coup, ce n'était pas évident dans des réunions de pouvoir faire circuler librement la parole. Et du coup, ils ont proposé, dans certaines réunions, de faire une circulation de l'autorité, c'est-à-dire décider que pendant le temps de la réunion, et uniquement le temps de la réunion, la figure du chef, il était un rôle qui allait circuler. Pendant une semaine, c'était un tel qui devenait le chef, qui avait la charge et le rôle du chef. Finalement, la semaine d'après, c'était quelqu'un d'autre. Voilà. Et du coup, ça permettait aux différents membres de cette réunion, qui était une réunion régulière, de faire l'expérience à la fois de l'encadrant et de l'encadré. Et du coup, ça permettait aussi, par ce jeu de rôle, de stimuler une circulation de parole que la hiérarchie ne facilitait pas. Alors, il y a plein d'autres méthodes, mais je crois que cette méthode-là permet déjà de tester la recevabilité justement de ces modèles-là en fonction de la culture managériale de l'entreprise. Oui, ça m'amène, merci Stéphane, ça m'amène à parler de Philippe Cannon, le DRH, actuel DRH de la FNAC, qui interviendra lors d'un 20 minute masterclass au mois de janvier, qui disait, dans une de ses interviews, qu'il faut en fait repenser complètement le modèle des entreprises. Le modèle format taylorisme que l'on a connu n'est plus du tout en vigueur du fait de cette irruption de la technologie et cette modification des rapports du savoir, du partage du savoir et le déséquilibre de l'autorité. C'est un autre exemple qui me vient en tête dans le domaine bancaire, par exemple.
Le domaine bancaire est le domaine dans lequel la question de l'autorité, à la fois de l'autorité de l'institution, mais aussi de l'autorité du chargé de clientèle, a subi une certaine érosion. Alors, bien sûr, il y a eu la crise de 2007-2008 qui a beaucoup déstabilisé notamment la relation client et la relation managériale. Et du coup, ce qui est très intéressant, derrière ça, il y a eu aussi un phénomène qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est l'idée que le client, quand il rentre et qu'il rencontre un chargé de clientèle, le chargé de clientèle est en général un généraliste, et il accueille des clients qui souvent sont très documentés par le web, un petit peu comme la question du médecin tout à l'heure, et ils arrivent avec des dossiers qui sont déjà constitués, et du coup leur position d'expert, si je puis dire, est challengée. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour ne pas subir ces sources extérieures qu'ils ne maîtrisent pas, bien évidemment, ils ne peuvent pas avoir une visibilité sur l'ensemble des forums ou l'ensemble des sites web qui peuvent avoir une expertise dans le domaine bancaire. Et du coup, pour récupérer ça et pour garder cette position d'arbitre, qui est la position que doit garder justement le conseiller de clientèle, eh ben, ils ont eu plusieurs méthodes. La première méthode, c'est d'abord eux-mêmes de flécher ou de proposer d'aller voir des sites web. Et de suggérer que la construction du service va se faire de manière co-construite avec le client et avec le conseiller de clientèle. Et d'un autre côté, il y a le dispositif lui-même qui se transforme, le dispositif de l'agence, puisque ça a été mené dans certaines banques de mutualistes notamment, qui avaient cet imaginaire de l'horizontalité, du partage du risque, du partage du conseil. Certaines banques ont accueilli, ont modifié leurs espaces de vente, leurs agences, en proposant des tables qui étaient souvent des tables rondes, dans lesquelles le client n'est plus en face, de l'autre côté du bureau du conseiller de clientèle, mais à côté de lui, parfois physiquement sur un canapé, c'est-à-dire le même siège jusque-là, à partager le même écran et le même applicatif qui désormais devenait compréhensible par le client, de telle manière à ce que le client ait le sentiment d'être impliqué et d'être co-constructeur de l'offre et de s'impliquer très justement et de partager avec le conseiller de clientèle une espèce de connivence finalement. J'ai en souvenir une entreprise du nord de la France, en fait un gros concessionnaire dans l'entreprise automobile, qui dans ses séminaires avec ses commerciaux disait « Notre objectif, c'est que le client ne dise plus jamais « Vous m'avez vendu ». C'est-à-dire que ce soit plus seulement le client qui pousse la voiture auprès du client qui passivement va acheter quelque chose, mais c'est « Construisons ensemble » par tout le biais des choix, des options, des choses comme ça. Co-construction qui finalement est une dynamique d'implication, voilà. Qui évite d'ailleurs, qui produit de l'engagement, qui produit de la participation, qui produit de l'écoute et qui change complètement, et là-dessus bien évidemment la techno alimente et tout le digital va dans ce sens-là, qui change complètement la relation d'autorité, la culture managériale et je dirais l'énergie fondamentale qui va se déployer entre les équipes et les encadrants, de même qu'entre les entreprises et leurs collaborateurs. C'est un nouveau lien qui se construit, qui est à la fois l'expression d'une tendance forte, profonde, anthropologique, et qui immédiatement rencontre des choses très opérationnelles dans la vente, chez le collaborateur, dans le dispositif de distribution, dans les cultures managériales, dans l'encadrement, etc., etc. Merci Stéphane. Effectivement, cette notion d'engagement et d'économie participative est ce que l'on... Un sujet que l'on traitera sous différents angles au cours de nos prochains webinars. Donc, merci Stéphane d'avoir été notre invité pour le lancement de ce premier 20 Minute Masterclass. Je vous invite à poursuivre la discussion sur le hashtag qui apparaît à l'écran. Donc, je ne vais pas l'énumérer, mais vous le voyez devant sur votre écran. Je vous propose de vous retrouver. Le 4 novembre, nous aurons comme intervenante Carrie Willard. Carrie Willard est une Américaine en charge de la partie la formation et de l'adoption des outils sociaux, des méthodologies, des pratiques sociales au sein de SuccessFactors.
Elle apportera, elle, sa vision plus anglo-saxonne de ce que l'on a, ce que Stéphane a présenté aujourd'hui, donc avec un point de vue intéressant, à la fois un positionnement par rapport aux différents pays, et évidemment, elle aura plus à cœur de montrer la vision des Américains, qui reste quand même le berceau l'apparition des nouvelles technologies. Carrie a écrit un livre, The 2020 Workplace, donc elle nous présentera les grandes lignes de ce livre, et elle en profitera aussi pour révéler un certain nombre de données issues d'une étude que nous avons menée récemment avec l'Institut Oxford Economics sur les mutations et les attentes du marché français, donc des données typiquement françaises mises en perspective avec des données plus globales. Voilà, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente journée et en espérant vous retrouver donc le 4 novembre. Ce webinaire a été enregistré, vous pouvez le diffuser à votre entourage ou à des personnes qui seraient intéressées. Et n'hésitez pas donc à poursuivre la discussion sur le hashtag que je vous ai mentionné. Merci et très bonne journée. Au revoir. Merci Stéphane. Merci.